redorer son image, la scientologie n'hésite pas régulièrement à montrer au monde entier sa toute-puissance. Comme lors de cette cérémonie aux États-Unis en l'an 2000. Ce meeting-là était probablement le plus grand meeting qu'ils aient jamais eu. Il y avait probablement 11 000 ou 12 000 personnes. Cette photo diffusée sur Internet est en réalité une photo truquée. Et voici comment. Toutes sortes de scientologues avaient été clonés. C'est-à-dire qu'on voyait telle personne avec telle robe, on la voyait reproduite ici. Et puis ensuite, on voyait tel bonhomme au front dégarni reproduit ici. L'exagération est coutumière. Le but, c'est de paraître beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. La fin, en scientologie, justifie les moyens.